Почему Украина вышла из Советского Союза самой большой страной Европы, а не в составе нескольких областей вокруг Киева? Это большой вопрос к составителям Конституции СССР 24 года, благодаря которой Украина смогла забрать с собой и Харьков, Одессу, и Донбасс. Задается этим вопросом и Путин. Послушаем. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не было прописано процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа. Bonjour mes amis, je suis Pierre Hafner. Aujourd'hui, on est le 7 juillet. Vous venez de voir une déclaration de Poutine. Poutine qui est à présent président à vie de Russie. Il restera 36 ans au pouvoir. 36 ans. Il a été élu en 2000. Il aurait dû faire deux mandats de 4 ans. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Et après partir, on est en 2020, il est toujours là. Il a fait un coup d'État constitutionnel. La Constitution a été totalement transformée. Elle se prévenait, comme je l'ai dit, de nouveau président ou secrétaire général du parti à vie. Elle limitait le nombre de mandats à deux mandats de 4 ans. Et Poutine est à nouveau président à vie, comme Staline, comme Brejnev, comme les tsars, etc. Ensuite, il y a d'autres informations. Notamment, c'est que officiellement, mais on le savait déjà, la stratégie nucléaire russe a changé. Elle a changé depuis longtemps. Mais maintenant, c'est officiel. Je vous la résume. Poutine maîtrise tout seul l'arme nucléaire. Il emploiera quand il le voudra. Et puis c'est tout. Ce n'est plus pour défendre le sanctuaire national. Ce peut être pour défendre des intérêts qui se situent à l'étranger. Et notamment, on sait que Poutine a mis les armes stratégiques nucléaires balistique en état d'alerte en 2014 lorsqu'il a annexé la Crimée. Donc, l'arme nucléaire a été utilisée, elle a été mise, la menace nucléaire a été utilisée pour annexer un territoire étranger. On n'est plus de la défense du sanctuaire national pour sauvegarder l'existence de l'État. Et dernièrement, il a fait ses déclarations en disant on peut utiliser l'arme nucléaire dans des conflits extérieurs à la Russie, si nos intérêts sont menacés. Voilà. Donc nous avons un homme dictateur qui a perdu la tête. Après 20 ans de pouvoir, effectivement, on a complètement déconnecté de la réalité. Et maintenant, c'est les déclarations que vous venez de voir sur cette vidéo. C'est que Poutine veut reconstruire l'Empire russe, vous venez de l'entendre. L'Empire russe qui s'est détruit une première fois en 1917, Staline, néo-impérialiste, a tenté, avec succès, de reconstruire l'Empire russe, pas totalement. La Finlande, il a attaqué, mais il n'a pas pu réintégrer la Finlande à la Russie, uniquement qu'une partie, parce que les Finlandais sont défendus. Il a réintégré les pays baltes, une partie de la Pologne, en déclenchant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Staline et l'Allemagne nazie, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale en attaquant simultanément et d'une manière convenue la Pologne. Rappelez-vous, nous on était du côté des Polonais. Il y a eu un nouvel effondrement de l'Empire russe. Ça a été en 1992, lorsqu'il y a eu la dislocation du bloc socialiste et de l'Union soviétique. Alors du bloc socialiste,
ça a été la chute du mur de Berlin. Tous les pays satellites d'Europe ont rompu avec l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est elle-même effondrée. Et Poutine, le revanchard, veut à nouveau rassembler les terres russes autour d'un seul grand Reich, d'un seul grand empire. C'est le monde russe, qui ressemble comme une goutte d'eau au monde allemand que voulait reconstruire Hitler. Alors Hitler, c'était les Sudètes, c'était l'Alsace-Lorraine, c'était le couloir de Danzig. Mais Poutine, c'est exactement pareil, c'est la Crimée. Et vous l'avez entendu dans cette vidéo, c'est une grande partie de l'Ukraine. Après l'Ukraine, il y aura la Biélorussie, c'est ce que disent ouvertement les néo-impérialistes russes, et il n'y a pas que Poutine. C'est le Nord-Kazakhstan, c'est les pays baltes qui doivent rejoindre l'Empire russe. Mais il y a une forte différence avec ce qui s'est passé par le passé, c'est que le nouveau Poutler, comme on l'appelle, le nouveau Hitler, l'homme qui veut reconstruire un grand Reich où il y aurait une seule nationalité dedans, en l'occurrence les Russes aujourd'hui, cet homme-là, il a l'arme nucléaire. Et il dit ouvertement, il a dit plusieurs fois ouvertement, qu'il emploiera l'arme nucléaire. Il y a, en 2014, il a annexé la Crimée. Hurrah! Mais ce qu'il y a, c'est que c'était normal que la Crimée soit annexée à l'Ukraine, parce que pour la logistique, la Crimée dépend de l'Ukraine. Problème numéro un de Crimée, c'est l'eau. La Crimée, c'est un caillou sec. Notamment le nord de la Crimée, c'est les steppes. Et en 1960, sous Khrouchtchev, il a été fait le canal qui amène les eaux du Dniepr, il prend sa source à Kherson, en Crimée. Ces 80% des eaux de Crimée étaient amenées par ce canal. Et grâce à ce canal, l'agriculture s'est développée, notamment la production de riz. La population a doublé en Crimée. Et la richesse de la Crimée, c'était l'eau. Il y avait d'autres problèmes, c'est l'électricité qui a été amenée également depuis les bords du Dniepr, puisqu'il avait été fait le barrage Dniepr-Ogress à l'époque soviétique, et surtout les communications. Parce que la Crimée, c'est comme on dit, c'est une valise sans poignée. Sous prétexte d'amener de l'eau en Crimée, Poutine va entreprendre une deuxième agression de l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est ouvrir un corridor. Donc, il s'agit, là, on va voir la carte. Il s'agit d'ouvrir, vous devez voir la souris, normalement, il s'agit d'ouvrir un couloir qui va balayer tout le sud de l'Ukraine et qui va arriver à Odessa, à Nikolaïev. Effectivement, la Crimée sera désenclavée, premier objectif. Deuxième objectif, c'est qu'on atteigne le Kherson, c'est là où le fameux canal prend sa source, on rouvre les vannes, on résout le problème de l'eau en Crimée, qui est essentiel, et ensuite, on rejoint Odessa, et on rejoint la Moldavie, et on rejoint les bords du Dniestr, où il y a une minorité russe. Je vous rappelle que Poutine veut réunir tous les Russes sous un grand Reich. Le problème, c'est que ce plan, il passe à exécution. Le 1er juillet, Poutine a mobilisé les réservistes. L'armée russe a actuellement 1 500 000 personnes. Ils ne sont pas tous combattants, loin de là. Il n'y en a pas assez pour attaquer l'Ukraine. Il faut au moins une armée de 150 000 hommes. Si on considère tous les ronds de cuir qu'il y a dans l'armée russe, et que ensuite la Russie est grande, et qu'il faudra laisser les garnisons dans d'autres régions,
depuis l'Extrême-Orient jusqu'à Kaliningrad, l'armée russe est insuffisante. Il faut des réservistes pour exécuter le plan que je vous ai montré. Il faut plus de 100 000 hommes, 150 000 hommes tranquillement. Et donc, Poutine a mobilisé les réservistes. Ça s'est passé le 30 juin, actuellement. Des forces énormes sont concentrées autour de l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a 87 000 personnes. Alors, quelles divisions, quelles armes sont concentrées? Ça a été, on retrouve ça sur le net. 87 000 personnes contre l'Ukraine, c'est considérable. Chacun sait que l'Ukraine ne va pas attaquer la Russie, elle ne fait pas le poids, ce ne peut être que le contraire. Et ensuite, les armes qui sont concentrées aux frontières de l'Ukraine, ce sont des forces agressives pour faire des agressions. Ce sont des bataillons de chars, d'unités tactiques sur le terrain, etc. Il est prévu des manœuvres grandioses en septembre, Caucase 2020. Alors, on sait que pour faire une guerre, on commence à faire des manœuvres. Ça permet de mobiliser les troupes. On fait des manœuvres à une frontière. Et ensuite, on franchit cette frontière pour faire l'agression. C'est ce qui s'est passé le 8 août 2008, lorsque la Russie de Poutine a agressé la Géorgie. Ça a commencé par les manœuvres, et ensuite, quand toutes les troupes ont été concentrées, on franchit la frontière et on attaque le pays adverse. Toutes ces informations, recoupées avec les volontés affichées de Poutine, que vous avez vues au cours de ce film que j'ai traduit, on sait que Poutine va agresser l'Ukraine. Ça va être fait dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et notamment sur le plan politique, il n'a que cette solution. Alors, si vous regardez la côte de Poutine, elle a tout le temps été relancée par des guerres. Il s'use au pouvoir, et ce sont les guerres de relancer les sentiments chauvinistes parmi les néo-impérialistes russes et parmi les Russes. Moi, je vais reconstruire l'Empire, je vais vous venger de la défaite de la Troisième Guerre mondiale qui a été froide. Et ça permet de rassembler autour de lui des supporters. Aujourd'hui, la cote de Poutine, elle est au plus bas. Mais il doit rester encore 14 ans. Excusez-moi, 16 ans au pouvoir, jusqu'en 2036. Jusqu'en 2036. Et il a besoin, comme tout dictateur, à un moment d'une guerre pour relancer sa cote de popularité, pour montrer que c'est lui qui défend le peuple russe. Et il a besoin de cela immédiatement, très rapidement. Ça commence à bouger en Russie. Maintenant, les Russes, ils sont à la datcha, ils sont en vacances. À l'automne, ils vont rentrer. On sait que toutes les révolutions en Russie se font avec les froids, quand les gens sont dans les villes chez eux, pas quand ils sont dans la campagne, dans les datchas. Donc la guerre aura lieu. Alors, autre question, maintenant il y a tout un tas d'experts militaires qui étudient comment cette guerre va se passer. Les Ukrainiens vont se défendre. L'Ukraine, c'est pas... l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est pas l'armée de 2014. Ils ont pris des coups. Ils veulent les rendre, ils veulent reconquérir ce qu'ils ont perdu en 6 ans. L'Ukraine a de nouvelles armes, notamment elle a les Javelin, ce sont des missiles anti-chars américains qui sont très très efficaces. L'armée russe est capable d'attaquer très fortement, notamment avec les divisions aéroportées, sur le couloir que je vous ai montré, qui va jusqu'à Odessa et Nikolaïev, c'est de prendre les aéroports, de prendre Kherson,
les ports, de prendre la source du canal, de l'occuper, et ensuite l'armée terrestre arrive pour relier tous ces points qui auront été préalablement pris. Elle peut agresser également depuis la Crimée. Il y a des forces considérables qui sont concentrées en Crimée et des navires de débarquement qui peuvent, depuis la Crimée, amener des troupes sur les rivages à ces points stratégiques. Tous les experts disent que l'armée ukrainienne est capable de faire face, mais elle est très faible au niveau de l'aviation. Les Russes ont 10 fois plus d'aviation que les Ukrainiens. Il faut prendre en considération également que les dernières guerres qui ont eu lieu encore en Syrie et en Libye, elles sont au détriment des Russes. Donc, le matériel russe livré par la Russie en Libye au maréchal Haftar ou en Syrie au dictateur Bachar al-Assad, ont été détruits totalement par les drones turcs. La Russie, on peut dire, sur le plan du matériel, a perdu ses deux guerres contre les Turcs, en Syrie et en Libye. Et le dernier joker de Poutine, c'est l'arme nucléaire. Déjà, il y a eu des déclarations, je peux vous les montrer, qui disaient que les Russes ne peuvent pas perdre la guerre en Ukraine parce que, en dernier ressort, Poutine utilisera l'arme nucléaire tactique. Alors, devant tous ces dangers, nos dirigeants sont muets, européens, sont totalement muets. C'est très inquiétant, sauf les États-Unis. Et effectivement, nous n'intervenons pas pour garantir un système de sécurité collective en Europe, et notamment pour faire comprendre à Poutine qu'il doit rester à l'intérieur de ses frontières. On n'a pas besoin de nouveau Sarajevo en Europe, on a eu assez de guerres, ça suffit, les frontières, on ne les bouge plus. Tout le monde se tait sur le continent, les Allemands, Merkel, Poutine, Macron qui embrasse Poutine, et ça laisse la possibilité aux États-Unis de se présenter comme la puissance est capable de maintenir la paix en Europe et de dire à Poutine, il faut rester chez vous, ne bougez pas. C'est parce que nous ne faisons pas ce qui nous incombe. Ce serait à nous, notre responsabilité de la France, puissance nucléaire, de prendre une part pour dire les frontières, on ne les touche pas en Europe. Poutine a modifié plusieurs fois les frontières et il continue parce qu'il n'a pas rencontré quelqu'un qui lui a dit ça suffit. Et ça se passera comme en Crimée. Poutine va mettre les forces nucléaires stratégiques en état d'alerte. Et il n'y a pas une seule personne parmi vous qui est prête à mourir pour l'Ukraine. Il n'y en a pas un. C'est-à-dire, Poutine va agresser l'Ukraine. Ça y est, c'est fait, c'est planifié et personne ne bougera. Il y aura une réaction des États-Unis, elle est déjà les États-Unis. L'Europe fera des sanctions une nouvelle fois qui n'auront aucun effet et après on les retirera. On exclura peut-être la Russie du Conseil de l'Europe et après on la reprendra comme on l'a fait pour la Crimée. Voilà. Nous sommes en 1938. On cède devant l'agresseur, on essaie de composer avec lui, et tout ça, ça va nous coûter très cher. Je vous remercie bien, mes amis, au revoir.